commencer à vlogger. Ouais, on va commencer à préparer ça bien comme il faut. Coucou les gars! Aujourd'hui, on va à Casella, c'est un zoo. Il y a plein d'animaux, enfin, ça va être trop bien. Après, on va chiller un peu à la piscine et ce soir, on va manger chez Christophe et Mélanie qui nous ont invités à manger du rougail saucisse. C'est une spécialité réunionnaise. On va bien manger. Très beau ce zoo. Ouais, vraiment pas mal. Il est très bien entretenu parce que c'est géré par la princesse de Monaco. Donc comme elle investit beaucoup d'argent dedans, il est tout bien, tout propre, les animaux ils sont bien. Elle prend des animaux pour les soigner aussi, donc c'est bien, c'est cool. C'est un bon zoo. Normalement on aurait dû monter dans un bus qui partait maintenant. Mais en fait il y a des gens tellement irrespectueux qui sont. Il y a deux rangées comme c'est ça. Deux personnes de chaque côté du bus. Et il y a des gens, ils se mettent un là, un là, un là. Genre un couple, il y en a un qui va aller là et un juste derrière. Du coup ben, les deux qui sont à côté, ben, ils voient rien. Du coup je sais pas, c'est un couple, tu vas deux, deux, deux. Mais non, les gens ici ils sont trop irrespectueux. Enfin les touristes en tout cas. On va attendre le prochain bus, hein, voilà. On attend le prochain bus pour dans 15-20 minutes. Ça va très bien se passer. C'est pas grave.
Salut tout le monde. On est rentré du zoo de Casella. C'était bien. Là-bas, tu peux faire des safaris dedans. Du coup, bah, tu vois vraiment les animaux. Ils ont de l'espace. Ils sont pas dans des cages. Ils sont vraiment bien là-bas. Donc, c'était top. On a mangé sur place. Il y a plein de restos. C'était très bon. Tout le monde sait que j'adore manger. Et franchement, je me suis régalé. En plus, on avait une vue, elle était incroyable. On peut même marcher avec des lions. Et les lions, ils sont pas shootés, hein. Attention. Ouais, ils sont pas drogués. Bon, on l'a pas fait parce que on n'a pas eu le temps, parce qu'on est arrivé un peu tard là-bas. Puis mais en fait, toutes les activités qu'on va faire en plus, c'est tout le temps payant. C'est-à-dire que tu payes l'entrée. Dans l'entrée, il y a le safari, mais après, les activités que tu veux faire en plus, eh ben, c'est payant dans le parc. C'est juste le point négatif, ouais. Et là, on revient de chez Mélanie et Christophe, chez qui on a mangé du rougail saucisse. Une odeur, t'as peur. Ah ouf. Une odeur, merci. T'as peur. Merci Christophe, une odeur, t'as peur. Rougail saucisse, oublie pas le nom. Hein. Rougail saucisse, merci Christophe. Une spécialité réunionnaise. C'était trop bon. Christophe, c'est un chef. Un chef. Ils nous ont fait le plaisir de nous inviter et franchement, on s'est régalé. Le rougail saucisse là, oh, il faut goûter, hein. C'est trop bon. Ouais, si vous avez la chance de trouver quelqu'un qui vous le fait, franchement, goûtez-le parce que c'est vraiment incroyable. C'est ouf, c'est ouf. Vraiment. Rougail saucisse, n'oubliez pas. Ciao tout le monde.